Vidéo ça, l'a concerné titre 42, titre 8 là. Et l'a concerné programme CBP non que immigrants dans pays Mexique dans moment actuel automatiquement mettez fin dans titre 42 ça là, yo gain problème pour yo compte qui ça pour yo fait. Dans vidéo ça nous parle tout dernier détail. On a commencé à titre 42. Titre 42 qui prend fin le 11 mai à 11h59 par administration Joe Biden. Pour rappel, titre 42 ça a été en vigueur en 2020 par administration Donald Trump. Une façon pour être capable de contrecarrer tout immigrant illégal qui sorti dans divers pays qui a passé par Mexique, qui a entré illégal dans le pays des États-Unis. Avec titre 42, pas de permission, c'est prendre et puis déporter. Mais il y a un peu de monde qui te jouit une petite possibilité pour entrer dans le pays des États-Unis. Et bien, sous même administration, Donald Trump, il y a un programme qui te relie MPP, qui est le programme Rete Mexique. Eh bien, administration Biden a déjà supprimé en 2022. Administration Biden a essayé de supprimer titre 42 en 2022. Nous avons un juge dans Lausanne qui était bloqué. Nous parlons de tout dernier détail concernant titre 8 qui problème que vous pouvez capable de rencontrer si toutefois ou pas suivre toute sa administration. Joe Biden a demandé pour faire. Et tout, qui possibilité ou gagner un moment avec le programme CBP pour entrer dans le pays des États-Unis. Comment nous y sera fait nous pas monsieur Wood Asian et c'est un immense plaisir pour entrer la caillou avec vidéo ça. Et les travailleurs sont capables pour nous apprendre, on va partager tout côté qu'on ça plus amis qui dans pays Mexique ou bien qui gain et vision là pour prendre route là pour aller dans pays Mexique tendez information ça puis on pas tomber dans problème. Pas oublier qui ton pouce sous vidéo, qui ton like sous vidéo et c'est ça qu'a montré à clair qu'on remet travail ça et c'est ça tout qu'a bon plus encouragement pour porter plus information pour. Pas oublier abonner sous pas de coup abonner et commenter pour dire comment ouais titre 42 et comment tout ou pral ouais et concevoir titre 8 là automatiquement immigrant pour te bouer dans frontière pays Mexique avec pays les États-Unis directement n'a pas un programme CBP 1 là. CBP 1 là, c'est un programme qui mettait sous pied par administration Joe Biden là une façon pour capable empêcher immigrant à franchir frontière. C'est une condition qu'elle établit pour empêcher immigrants pour te bourrer par rapport avec toute critique qui gagne dans responsable frontalier dans pays les États-Unis avec républicain qui a frappé administration de jour en jour concernant immigrants illégaux qui franchissent frontière pour entrer dans pays les États-Unis. Et bien automatiquement administration ça limité CBP on a gagne pile immigrants qui entrent à travers application ça et comme ça tout qui gagne difficulté pour prendre l'air dans application ça. Mais avec titre 8 là qui ça le dit automatiquement, yo déporté à base titre 8 ça. Ou a passé 5 ans ou pas capable d'entrer dans le pays les États-Unis. Et ça qui propice pour dans le moment actuel, c'est prendre les sous application CBP One. Il y a une question qui a posé dans commentaire, est-ce que CBP One a toujours fonctionné parce que yo dit qu'il y a des monde qui entre à base et CBP One et puis il a posé une question. Normalement, leur entrer dans le pays les États-Unis faut que vous posez une question. On va comprendre qui sort de questions ou bien qui forme des questions vous posez. Mais celle ça me connaît. Administration Biden n'a fait connait et déclaré un monde qui entre de manière irrégulière dans le pays les États-Unis après fait titre 42 ans ou subit déportation. Un monde qui dans le pays Mexique qui besoin entrer dans le pays les États-Unis pas de l'autre moyen qui passer par application CBP One qui soit besoin tendez encore. C'est ça qui est essentiel. Yon haïtien, yon latino qui besoin entrer dans pays les États-Unis dans moment actuel ou doit prendre les rendez-vous sous application CBP One. Nan ka kontre ou entrer dans frontière pays Mexique pour entrer dans pays les États-Unis ou joine déportation automatique. Gen l'époque 66 qui déporté pour Cuba. Hier, gen l'autre Guatemaltec qui joine déportation yo, yo tap chercher entrer avant titre 42 an fini. Tendez bien oui. Moun sa yo, Guatemaltec yo surtout, yo franchi frontière, pays Mexique, entre dans pays les États-Unis, yo jwenn déportation yo. Ou les jeunes nous pas voye monte. Ok, tout ça nous dit, nous même nous capables pour voli. Ok, administration Biden n'a pas nan tete lang nan moment là. Secrétaire sécurité intérieure dans pays les États-Unis, qui c'est Alejandro Mayorkas, li fait connait que yo déployé la 24 000 soldats dans frontière pays les États-Unis yo. Pour empêcher immigrants pour te bourrer. Parce qu'ils ont déjà connu, automatiquement, ils ont fait dans le titre 42 ça, immigrants pour pas te bourrer dans le frontière pays, les États-Unis. Et bien tout, il y a 1500 soldats qui ont mis sous 2500 l'autre garde national qui t'a veillé frontière. Bagayo là, ils ont sophistiqué par administration Joe Biden. Ou même qui n'a pas le Mexique, ils ont seul bagayo qu'on capable faire dans le moment,
c'est chercher prendre l'air sous application CBP1 pour capable entrer dans pays les États-Unis. Titre 42 pour rappel, c'était une loi qui était mettée depuis bien longtemps pour capable ralentir des maladies transmissibles tant que la jeune malaria et tant d'autres maladies transmissibles, mais administration Donald Trump a utilisé le mal. Eh bien, administration Biden a dit que l'a supprimé quand même avant même ni quitter pouvoir et il fait ça. Le 11 mai qui se passe là, administration Joe Biden a mis fin dans le titre 42. Actuellement, c'est titre 8 qui travaille. Un immigrant qui part en délit par là, le pote boué sans prendre l'air sous application CBP1 non, ou retrouve dans pays d'origine ou bien dans pays Mexique. Et puis tout, les fin retourne dans pays d'origine ou bien dans pays Mexique, ou passe 5 ans ou pas capable de tourner dans pays les États-Unis à base de titre 8 ça. Tendez bien oui, à base de titre 8 là, y a déporté dans pays Mexique. Y a déporté dans pays d'origine, ça dépend de eux même côté au choisi. Voyez-vous automatiquement vous déporté ou fait 5 ans ou pas capable d'entrer dans pays les États-Unis. M'passe ma clair dans information ça, prend vidéo ça la gueule tout côté pour plus zanmi tande information ça et pas oublier quitte un like sous vidéo, le like, le partager, le abonner ou encourager mon travail ça. N'a croiser encore pour notre plus belle vidéo ou des chaînes.